Salut tout le monde! Comment ça va les amis? Bon vas-y Cristiano les gars, ouais, je le prends pas. On va essayer d'avoir notre ami Bienvenue, Cristiano en Totti. J'ai pas eu une fois un Totti en draft depuis qu'elle est Totti. Il y a 1 milliard de cartes, et Totti t'as pris les pires joueurs. Bah il y avait Ronaldo, mais j'aimerais bien le tomber en Totti. On va pas se mentir, on est extrêmement mal. Hein. On va smalling, non mais c'est incroyable, il y a 1 milliard de cartes possibles différentes, on me donne. Voilà. Bah ouais mais non, mais c'est pas un Totti, je suis un ouf. Mais au moins là ils m'ont donné des joueurs. Ah non mais ils se foutent de moi. J'ai quoi à droite? J'ai de la Serie A, bah y'a Koulibaly. Hein. Faire une draft aussi claquée à ce stade de l'année. Ah bah voilà. La seule fois que tu pars pas sur un peu de Liga ou quoi, c'est là où ils t'en donnent. Eh là pour le moment Marcelo il est potentiellement neuf, hein, je vais pas vous mentir. Ah voilà, c'est pas mal là. Eh bah Sandro, je peux le foutre dans l'axe. Elle va être là la douille. On va faire ça. Comme ça, là je fous contre Sigli, Marcelo. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me fait au moins 3 défenseurs de ouf, même si Sandro, ça fera le taf. Gomez, c'est cool parce qu'il a le lien vert, il a une bonne carte. Oh, N'Golo, j'avais pas vu! Ah bah voilà, on voulait des Totti. Putain, il y avait William. Bah non, mais là, on prend N'Golo direct. Ah, Jorginho. Au pire, on le fout. Il est italien, il a un lien et à droite, ça sera bon. Au moins, il a un lien vert avec N'Golo. Tu vois, il a le lien avec l'italien et ça met N'Golo à 7, ça me sauve. Hazard, parfait. Avec Kanté. Mais du coup, Gomez, ça me fait chier. Ah là, ça vient. Ouais, bah Balak hein, au milieu. Hein. Mais oui, bah Balak au milieu. Oui. Bah au final, la draft va pas être si dégueu. Elle est très bizarre. Putain, mais je sais pas qui met tout. Le problème, c'est que Balak, je peux pas le mettre. Eh les gars, Kanté, je vais le mettre offensif. On s'en bat les couilles. On met Kanté, BU et Marcelo. Ça pour sortir au premier tour, mais c'est sûr. Regarde, lui, il a fait une équipe et il a moins rigolé. Kanté, c'est plus un. Bon, je pense Marcelo devant le but et tout, ça doit être. Tu vois, puis il a les 5 étoiles en geste technique, machin. Kanté, ça doit être un petit bulldozer. Mais... J'ai pas pu toucher la balle depuis le début du match. Mais là, si on passe un tour, c'est un miracle. Ah, c'est ça. C'est ça, N'Golo. Ça, c'est le foot. On aura sauvé l'honneur quoi qu'il arrive. On aura mis un petit but. Eh? C'est pas ça que je voulais. N'Golo? Putain, mais qu'est-ce qu'ils sont forts. Mais c'est moi ou N'Golo, ils ont changé sa dégaine sur le terrain avec sa Totti. On dirait pas, il a changé de peu coup, j'en sais rien. Putain, l'engagement de merde. Non, mais regardez là, quand vous le voyez, on dirait il a plus de vœux. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oh là là. Elle m'a niqué. Une action d'école. Allez, Hazard, t'es nul, nul, nul. Oh, mais oui, mais pourquoi? Pourquoi je joue sur la tête de Kanté? Il joue au sol, tu sais qu'il est petit, putain. Au deuxième. Putain, N'Golo, il me fait un match de ouf. Marcelo, il est bizarre. Vous avez vu le football quand la magie opère, les gars? Est-ce qu'on a été bon, les gars, au mental, hein? Putain, il y a une équipe pas dégueu. Lob à l'opposé. Oh, dommage. Oh. Puis cette patte gauche de... De Marcelo. Il est beau celui-là aussi. Mais bon, c'est la poule, gars, on lui pardonne. S'il est sur son pied gauche, t'as l'impression que t'as Messi, quoi. Hop. Oh, il est beau. Pff. Ce petit bijou de Balak. Ouais, je lui ai pris. Oh, c'est nain. Boost, t'as trouvé nul Creed 1. Je l'ai pas trouvé nul, je l'ai trouvé très nul. C'est encore autre chose. Très très nul, très faible. Alors pourtant, j'adore les rookies à la base, mais je parle les premiers, tu vois, jusqu'au 4. Mais à partir du moment où t'as un mec qui est en train de s'entraîner, qui est dans une zone désinfectée, il s'entraîne et tout, et qu'il y a des quads et des motos, ils font la roue autour pendant qu'ils s'entraînent, tu peux pas dire que c'est un bon film, tu vois. Et s'il y avait que ça. N'Golo, mais non. En vrai, faudrait que je mette, je crois, Balak en MD et Kanté Marcelo sur les côtés.
Si vraiment je veux équilibrer le truc, un minimum. Meilleur film que j'ai vu ces derniers temps, c'est Alpha. Alors lui, il a, putain, il a une défense, c'est n'importe quoi. Oh, le jeune Eden, enfin. Moi, je me suis arrêté. J'ai regardé la 2, je crois, début de la 3, et j'ai arrêté. Putain, il est dégueulasse. Et voilà, et moi je fais un angol parfait, mais non. C'est pareil de votre côté, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord que c'est vous qui avez raison forcément, tu vois. Allez, Russ, voilà. Voilà, personne, c'est pas moi qui ai plus raison que vous et vice versa, c'est des goûts. Naruto ou One Piece, ouais, y a pas photo. C'est One Piece un milliard de fois. Naruto, il c'est comme j'ai déjà dit, c'est bien quand ils sont petits. Dès que ça arrive à 100 épisodes ou je sais pas quoi, quand ils commencent à grandir, ça part en couille, mais complètement. Après, Pain, c'est ce qu'on disait la dernière fois. Ça devient complètement n'importe quoi après. C'est pareil, moi je suis catégorique. Moi je trouve ça archi nul après. Quand ils sont petits, le manga est exceptionnel. Dès qu'ils grandissent, ça devient n'importe quoi très très vite. One Piece sur la durée, le manga il se dénature pas. Ça reste One Piece. Allez, voilà le jeune Eden. One Piece, bah j'en suis à l'animé. Je lis pas les scans, mais j'en suis là au dernier épisode. On est d'accord qu'il y a zéro tir partout. Je crois que j'ai rarement vu ça. Gros match. C'est Bala qui a une grosse frappe. Ah, super, premier poteau, magnifique. Il y en a, ils adorent paquet H24, paquet. Et moi, j'aime bien paquet, tu vois, avoir tes récompenses. Mais moi, mon kiff, c'est le gameplay avant tout et jouer. Et c'est ça qui m'intéresse le plus, en vrai. Oh, un pack joueur. Allez, 50K. Petit anime, ce serait marrant. Aïe, aïe, aïe. Socratis. Non, en fait, ta draft, tu la rembourses même pas, je crois, ou à peine. Si t'es une guest, n'oublie pas de mettre un petit like.